tous et bienvenue sur la chaîne de Fouineman. Les amis, aujourd'hui une vidéo assez particulière puisque je vais vous présenter un sacré coup de cœur. Il m'en a mis plein la vue. Ce collector m'en a vraiment mis plein les mirettes. En premier lieu déjà, je tiens à remercier Papa Naufel. Il m'a mis entre les mains un monstre. Un monstre. Alors évidemment, j'avais vu il y a quelques années ce collector passer. Hein, je fais ça, il est juste à ma gauche. J'avais vu ce collector passer sur les réseaux, en particulier sur Strictly Limited. En tout cas, peut-être il était proposé ailleurs, mais c'est là que je l'ai vu. Et je l'ai vu à un prix quand même assez conséquent. J'ai dit, mais c'est pas la peine, quoi. C'était autour de 450 euros, 469, je pense, plus précisément. Donc, moi, j'avais écarté, on va dire, de mes possibilités ce collector, me disant que le rapport qualité-prix n'était pas intéressant. Aujourd'hui, maintenant que je l'ai entre les mains, je vois que c'est un sacré monstre. Alors, c'est à titre personnel, mais j'en ai eu plein la vue. Je souhaite vous faire partager un petit peu cet unboxing, mais plus qu'un unboxing, vous allez voir. Déjà, on va découvrir le contenu de ce collector qui risque de vous... Voilà, vraiment de vous accaparer, de vous donner... Moi, il m'a donné un peu des frissons. J'étais surpris par la qualité de ce collector. Et ensuite, j'ai branché. Et le papa Naufel, il m'a mis une double surprise, vous allez voir. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce collector. Je vais vous le montrer déjà. Je vais vous montrer ce monstre. Très lourd. Très, très, très lourd. Là, on est dans du, je sais pas, 6 kilos, 7 kilos facile. Ça se trouve 10 kilos, j'en sais rien. Non, j'exagère. Mais pas loin. Parce que j'ai du mal à le porter d'une main. Donc, Taito, il a fait fort. Donc, ça s'appelle Taito Arcade Selection. 2021, il est sorti en 2021, donc ça fait déjà 3 ans. Il est en rupture depuis 3 ans, je dirais. C'est l'édition bleue. Hein, il s'appelle le Aigrette. Moi, j'appelle ça... Aigrette, pardon. Aigrette 2. Moi, j'appelle ça la mini-borne Taito. Mais c'est plus qu'une mini-borne. Donc là, il s'appelle Aigrette 2 Mini. Et c'est l'édition... Juste là, on le voit, l'édition bleue. Je crois que c'est l'édition la plus rare. Il n'y a pas, je crois, c'est sûr. Et comme je vous ai dit, pour moi, il a été édité par Strictly Limited. Distribué en tout cas par Strictly Limited. Parce que vous voyez ici, c'est écrit réalisation 61. Et ici, c'est écrit en gravé quand même Strictly Limited. Donc je pense, moi, qu'on pouvait l'avoir. Je pense pas qu'on pouvait l'avoir ailleurs. Et bon, évidemment, il s'est coulé assez rapidement. Jamais j'aurais pensé l'avoir entre les mains. Et là, c'est le cas. Je vais vous faire un unboxing. Vous allez voir, franchement, ils ont bien taffé. J'en ai vu des mini passer, j'ai eu beaucoup de déceptions, des fois des satisfactions, mais là c'est vraiment une belle surprise. Quand il m'a ramené ça au début, je ne dis pas que j'étais sceptique, pas du tout. J'étais surpris, et plus je déballais, plus ma surprise était présente. Je vais arrêter de blablater, on va essayer de passer en vue interne pour avoir une belle visibilité, pour pouvoir tout contempler. Et du coup ça va se passer en deux temps. Le contenu qui est ouf, qui est vraiment ouf. Et ensuite, on va le brancher et vous allez voir, deuxième effet qui se coule. On est parti, les amis. Et voilà, les amis. Du coup, on a la bête. On voit le Taito Arcade Selection. Je vous ouvre ça. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça un collector extrêmement garni. Alors, on ouvre. Je vais me mettre vue dessus. Vous allez mieux voir. Donc à l'intérieur, on a déjà un petit fascicule. Ce fascicule, c'est pour mettre en avant la fabrication de Taito. Donc je vous ai dit Aigrette 2 Mini. J'ai pas vu la première, à voir ce que ça donnait. Avec le petit certificat Strictly Limited. La petite boîte en carton associée, comme vous pouvez voir. Donc on va laisser ça de côté pour le moment. J'ai prévu des tables sur le côté. Et là, on a un ensemble d'affiches juste sublime. Je vais relever un petit peu que vous puissiez voir. Alors, vous allez voir que le collector il contient beaucoup de choses. Mais la mini-borne contient aussi des jeux. Et en fait, on a des affiches pour chaque jeu. Donc, je vais essayer de vous les présenter si j'arrive à retirer ça. Bon, je vais vous les présenter de la façon suivante, ça sera plus simple. On a le Bubble Bubble Memories. Ensuite, on a
Bon, je ne vais pas me fatiguer peut-être à tous les retirer. Je vais vous présenter ça comme ceci, ce sera plus simple. On a Elevator Action Return. Elle est plutôt stylée. Hein. C'est un beau travail là, du collecteur. Ici, celui-ci, il est lisse. Il est totalement lisse. J'allais dire, je les découvre en partie parce que je ne les ai pas tous regardés. Donc je les découvre en même temps que vous. Arcanoid. Bon, on voit que la partie supérieure, mais c'est suffisant. Ça, c'est un jeu de golf. Bowling. Alors lui, il est stylé. Hein. Franchement, il est stylé. Lui aussi. Oh, Taito, là, il sait s'y prendre. Franchement, magnifique. Waouh. Franchement, la Strictly, il nous a régalé. Il nous a littéralement régalé. Ninja Kid. Franchement, on ne va pas tous les découvrir, j'en prends certains. Regardez-moi la taille du feuillet. Il y en a au moins... Bah, je vous ai dit le nombre de jeux. Je ne sais pas s'il y a 40 jeux dans la mini, mais il y a tout. Il y a tout ici. Alors, on va mettre ça de côté. Regardez-moi cette bête par compartiment. Donc, on va commencer par celui-ci. On va commencer par le compartiment de droite. Alors, on a une manette. Regardez-moi cette manette. Donc, ça, c'est une manette que je qualifierais de standard. Que vous pouvez voir juste là. Qui se branche, filaire. À la mini-borne. Avec un effet un peu rose-violet qui crée son charme. Clairement. Donc ça, c'est le premier accessoire. Ensuite, on continue, on a un artbook, arcade strategy book plutôt, bien imprimé sur papier épais, où vous avez un peu tout ce qu'il faut savoir sur la borne, en couleur. Ouais, donc j'avais raison, c'est 50, j'étais pas loin, 50 titres, 40 sur console. Je découvre en même temps que vous, les gars. Je prends le temps d'apprécier. Et toute l'histoire, Space Invader, pour chaque jeu. Pour chaque jeu présent, en couleur, un travail d'orfèvre. Franchement, complètement ouf. Même les rounds, tout le détail. Tatsujin, par exemple. Truxton, pour ceux qui connaissent, sur Mega Drive. Franchement, regardez-moi ça. C'est ouf. Ouf ce travail. Donc là, on a accès au titre. Darius, pour les plus connus, Rayforce, Kadash, et bien d'autres, Puzzle Bubble. Strictly Limited, là pour le coup, franchement, bien joué, vous avez bien taffé. Hein. Donc là, c'est le artbook. On continue, les amis, on continue. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le Paddle Trackball Expansion Set. Donc, il y a une trackball. C'est un pad assez conséquent, spécifique pour certains jeux contenus dans cette mini. Regardez-moi ça. On voit un peu mieux ici. Juste là. En l'occurrence, en particulier plutôt pour ce jeu, mais la compatibilité, elle est indiquée au verso. Donc, en particulier, il y a Marine... Il y a Strike Bowling, Birdie King, Arcanoid, donc il y en a une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 précisément. Cette bécane, elle a été, on va dire, bien réfléchie pour chaque jeu contenu dans cette mini. Moi, je trouve ça complètement ouf, en fait, d'avoir gambergé jusqu'à ces petits détails. On continue et regardez-moi ça. Alors, je sais même pas si je vais réussir à le sortir proprement. Non, il va falloir que je sorte d'abord la bête.
Je vais mettre de côté la bête. Juste là. Pour que je puisse sortir la deuxième bête, en fait. Regardez-moi ce stick arcade. Énorme. Il est lourd, hein? Il est lourd, il est assez conséquent. Pff, incroyable. Je vous montre le verso. Alors, au verso, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la tête du stick ici. Et il est compatible évidemment avec plein de jeux du contenu. Il fait 256 mm, donc à peu près 25 cm de large. Et vous avez vu, quasiment 10 cm d'épaisseur. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a une prise en main qui doit être vraiment conséquente. En fait, ça permet aussi de jouer à deux, hein. Ça permet aussi de jouer à plusieurs, en fait, ces manettes-là. Enfin, bon, j'ai déjà l'autre manette pour pouvoir jouer à deux. Il y en a un qui joue sur ça, l'autre sur ça. Mais c'est ouf, hein. Franchement, il est stylé. Pff, complètement ouf. Je vous présente pas dans le détail, je ne retire pas chaque objet, parce que sinon je vais y passer 30 minutes. Parce que derrière, je vais rebondir sur un test de la Mini. Je vais vous montrer des choses qui sont assez épatantes. Évidemment, on a les OST, qui sont encore sous blister d'ailleurs. On a les OST de tous les jeux contenus dans cette Mini. Ça contient, c'est contenu sur 4 disques. Énorme, les amis, complètement énorme. Donc là, je vous propose de découvrir la bête ensemble. Pour ça, on va faire un peu le ménage. Je vais retirer ça. Là, je suis dans un coin de mon salon. C'est pour ça que vous voyez un peu la cheminée sur le côté là. Il y a ma télé sur ma droite. Je me suis mis dans un petit recoin pour que vous puissiez bien contempler avec moi. Et là, on va observer cette Mini. Alors déjà, le packaging, 40 jeux à l'intérieur. Ça, c'est sa tête. Du tabletop. On a ici le listing des différents jeux avec un versus Kaiser Knuckle, Darius Gaiden, du Puzzle Bubble. Franchement, c'est bien mis en valeur. J'aime beaucoup de ça, la colorie, le choix des dimensions, du packaging. Et là, je vais vous montrer alors, en live un peu le contenu. Beaucoup de choses à dire sur cette Mini. Alors, quand on ouvre, bon, évidemment, on a les informations que je vous ai déjà évoquées. Les trois façons de contrôler, les trois accessoires, plus une petite carte mémoire qui contient 10 jeux en plus. Voilà, ces 10 jeux-là qui sont dans ce listing. Alors, on ouvre. Bon, on a évidemment la notice d'utilisation. Notice d'utilisation, comment ça se branche. Voilà. La notice pour la bécane, et puis des stickers. Voilà, des stickers ici qu'on peut coller sur la bécane. Bon, moi, je les laisserai, je pense, dans ce plastique. Ensuite, on a évidemment le cordon HDMI pour pouvoir brancher sur la télé, puisqu'on peut jouer sur la télé, en fait, avec cette console. Donc ça, c'est le cordon HDMI. Ça, c'est la lime. Enfin, le cordon pour la lime. Bon, j'en ai branché une autre, moi, juste à côté. Hein. Celle-ci, elle est toute neuve. Donc moi j'en ai 36 comme ça. Ici on a la petite plaque en plexi qui vient de se mettre au-dessus du tabletop pour pouvoir insérer des cartes qui sont là. Voilà, ça c'est des cartes. Bon, ils sont pas ouvertes. Qui contiennent l'image de certains jeux qu'on insère. Si on joue à un jeu, on le met au-dessus. C'est de la déco, hein. C'est de la déco, mais bien réfléchi. Bien réfléchi, quand on fait un collector, on veut qu'il sorte du lot. Et pour dire, bon bah les gens ils sont prêts à mettre 400 et quelques euros, il faut que ça soit conséquent. Donc on va écarter tout ça juste pour le moment. Et on va sortir la bécane. Hop. Alors. Donc ils ont mis un système de cale à l'intérieur, vous voyez. Bon, ça vous allez comprendre ce que c'est après. Sous peu. Je fais le ménage, les gars. On va mettre ça en dessous.
Hop. Alors, voici le monstre. Alors, pourquoi je le qualifie de monstre en fait? Bah déjà, vous avez pu comprendre. On va se remettre dans une bonne position. Vous avez pu comprendre que qu'en soi, le contenu, il était ouf. Clairement ouf. Le tabletop, que vous pouvez voir ici, qui a de la gueule, hein. Qui a clairement de la gueule. Les accessoires, donc le pad, les trois pads, c'est juste ouf, les goodies associés. Donc c'est là que ça se met en fait la petite plaque en plexi. Ici on a double enceinte, double haut-parleur. Et le son du coup il est de qualité. Le stick, on entend les clics, vous entendez? Et ça c'est vraiment appréciable pour jouer. Clairement, il n'y a pas de doute. Et en fait, autre particularité, alors je sais pas comment je vais mettre pour que vous puissiez bien voir, là je pense qu'on voit bien, c'est qu'il y a des shoots dans cette borne. Et en fait, en appuyant sur l'écran, on peut passer en mode tâté. Et là, on peut jouer au shoot à la verticale. Et ça, c'est bien réfléchi. Franchement, c'est carrément bien réfléchi pour pouvoir profiter et optimiser chaque jeu. Je me suis dit, bon, bah, les accessoires, ils font en sorte de pouvoir être en immersion dans chaque style de jeu. Il faut aller jusqu'au dernier détail pour ça. Complètement ouf. Alors, on va brancher la bête. On va brancher la bébête. Voilà, je vous montre le câble là. Alors. Et on allume. Regardez l'effet de lumière déjà qui s'est mis en avant. Vous voyez rien. Là, vous voyez mieux. Voilà. Là, c'est pas mal, je pense. Alors. Attendez. On va recommencer. On va recommencer. Je vais vous expliquer pourquoi je vais recommencer. C'est qu'en fait, là, ici, sur le côté, il y a une petite carte SD. Je viens de la sortir exprès. Je viens de la sortir pour que vous puissiez voir l'objet dans sa configuration d'usine. Donc, si on l'allume sans la carte SD, on arrive sur Taito. Vous voyez, on arrive comme ça. On a le son et on a cette interface-là. Peut-être m'approcher un peu. Taito Arcade Sélection. Où on peut voir les jeux qui se jouent, comme Tatsujin, par exemple, en écran à la verticale, en tâté. On a l'ensemble des 40 jeux proposés dans la liste précédemment citée, Kadash, etc. Je vous propose de mettre Tatsujin, par exemple. On va mettre New, il se joue avec ces quatre boutons-là. Voilà, les gars. Bon, on va tourner. En fait, il tourne en direct. C'est ça qui est bien. C'est que c'est très simple à l'utilisation. Donc là, on va lancer par exemple une partie. Je vais mettre deux crédits. On s'en moque. Vous voyez le son? Très bonne prise en main. Bon, je joue à quatre boutons celui-ci. Franchement, magnifique. Magnifique. Alors, je ne sais pas par contre comment on revient au menu. Ah bah voilà. Back to menu. Je me suis posé la question. Yes. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux contempler. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc là, vous avez les différents jeux. Qu'est-ce qui se passe si j'éteins? Donc là, j'ai éteint. J'insère cette fois-ci la SD préparée par Papa Naufel. Et j'allume. Alors. Évidemment, je suis en mode tâté là. Je me remets en mode normal. Cette fois, ça charge. C'est plus du tout la même interface que tout à l'heure. On n'est pas dans l'officiel. Là, on est dans le non-officiel d'un coup. Mais ça va devenir quand même intéressant. Oui, je la caresse calmement. Je vais en prendre soin.
Alors, c'est peut-être un peu long. Là, vous voyez ma tête dans le reflet, là. Ouais, je pense que c'est un peu long. Batocera. Et la clé USB que vous avez vue tout à l'heure, en fait, c'est une sauvegarde de tout ça. Donc là, on a 1735 jeux. C'est indiqué là. Avec une interface. Donc ici, on a les arcades jeux verticaux. Ici, on a arcade tout court. PC Engine. Super Nintendo. Alors en fait, il y a le nombre de jeux à chaque fois. Par exemple, ici en arcade. Bon, ça englobe tout. Non, même pas, je crois que. En fait, il y a 607 jeux arcade verticaux. 1735 jeux arcade. 64 jeux PC Engine. 61 jeux SNES, le plus joué Batman Return. Ah, Papa Naoufan, il est fan de Batman Return là. 60 jeux Mega Drive, mais je crois qu'il y en a plus, j'en ai vu plus que 60. Tout à l'heure, j'ai essayé Mega Drive. Il me semblait qu'il y en avait bien plus. Regardez, on va mettre en Mega Drive justement. Là, il y a les verticaux. Non, là, il y a les verticaux, ça doit être dans le fichier au-dessus. Il y en a peut-être 60. C'est possible. Oui, il y a Contra par exemple, Comic Zone. Gunstar Heroes, il a mis que les bons jeux, le malin. C'est quoi ce Capcom versus SNK? Pas sur Mega Drive, ça. Là, on est sur du PS1, là. Ah, non, je suis passé à PS. Je suis trop bête. Là, en fait, de gauche à droite, on va. Là, on a la SNES, Mega Drive, PlayStation. Ça fait tourner de la PlayStation, quand même. Hein. Il y a du Mega CD avec Kaiju Flying Squadron. Il y a Pulseman. Il y en a plein. Je vous propose de se mettre un petit Street of Rage. On va se mettre un petit Street of Rage 2. Évidemment, j'ai pas appuyé sur le bouton. Le bon bouton. Alors, le bon bouton, ça doit être Start, j'imagine. Non plus. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez, le bon bouton, c'est lequel? C'est lui. Ça zoome! Ça zoome quand on choisit le jeu. Ouais, franchement magnifique cette petite borne. Vous vous doutez bien que je vais trouver un coin al dente dans ma gaming room. Pour le packaging, mais aussi pour l'efficacité. Je vois la borne, elle se recharge en fait en plus. On n'est pas obligé de la brancher de manière permanente. On peut la brancher sur un téléviseur, je peux la brancher sur un CRT par exemple. Je peux la brancher sur un PVM et la mettre juste à côté. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Oh, par contre, il m'a chopé une version brésilienne, je pense. Pour sa button start. Alors, je pour sa button start. On va prendre Axel. Vous entendez le son? Je sais pas si on va entendre bien parce que mon micro il est collé à moi. Et bah, magnifique. L'écran il est stylé aussi. Et franchement, le fait d'avoir pensé au shmup et de pouvoir passer à la verticale, c'est encore une sacrée plus-value. Quand je vous ai dit qu'elle est œuf, jambon, fromage, cette bécane, c'est ouf. Franchement, là, ils ont bien bossé Strictly. Oui, certains vont dire que c'est le prix d'une PS5. On va dire d'une PS5 soldée, remise de PS5. Oui, évidemment, on peut toujours revenir à. Mais ça, je les appelais Dunking quand j'étais plus jeune, en référence à Fatal Fury. Franchement, magnifique. Voilà les amis, on va passer en vue en termes pour la conclusion. Voilà les amis, franchement, alors. Peut-être c'est quelque chose de très personnel, mais j'ai été extrêmement séduit par cette magnifique édition. D'un point de vue packaging, mais pas que. D'un point de vue utilité, je trouve qu'au niveau du son, ils ont fait le taf. Au niveau de l'image, ils ont fait le taf. La connectique, on peut y jouer sur la télé. Ils ont mis les manettes, les accessoires en conséquence des jeux. Tout a été très bien réfléchi. Je vous ai dit d'un point de vue visuel, d'un point de vue efficacité, d'un point de vue jeu, tout est réuni dans ce monstre de Strictly Limited pour mettre, on va dire, les fans de rétro gaming comme moi aux anges. J'attends votre retour. 61, je sais pas combien il y en avait. De toute façon, il n'y en avait que 100. Peut-être 300, peut-être 1000. Moi, je tablerai plus pour 1000, personnellement.
Je dirais 1000 éditions, c'est le minimum qu'ils produisent en règle générale. On va dire les faibles éditions, c'est plutôt 1000. Les grosses éditions, je dirais 3000. Donc là, à mon avis, dans les 1000, à peu près. Le 61 sur 1000, c'est pas mal. J'aurais bien aimé avoir le number one. Franchement, la classe. J'attends vos retours avec impatience. Moi, entre le laps de temps où je vous ai présenté la bécane et la conclusion, pour vous, c'est passé une seconde. Pour moi, c'est passé peut-être 30 minutes puisque j'ai continué à jouer. J'ai testé d'autres jeux. Et franchement, c'était le kiff, que ce soit sur SNES ou sur arcade. C'est surtout sur arcade où il y a des choses bien sympas à faire. Bon, vous vous doutez bien que je vais lui trouver une place œuf jambon fromage au sein de ma pièce. Je vais cliquer là sur stop. Je vais monter. Et je vais commencer à gamberger. Vous allez voir, ma pièce, elle prend forme. Ma pièce, les gars, moi, je suis déjà en kiff. Et pourtant, elle n'est pas finie. Bon, les amis, en tout cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.